le chef de l'État a voyagé une bonne partie de la nuit hier pour atterrir à Malabo, Guinée équatoriale, pour prendre part pour la première fois de son mandat au 4e sommet Afrique-Monde Arabe. C'est une institution qui existe déjà depuis plusieurs années. Il vous souviendra que la réunion de 2013 a eu lieu au Koweït, et donc c'est l'émir du Koweït qui était le président en exercice, et il était présent lui-même. Et alors à la réunion, à ce sommet, 4e sommet Afrique-Monde Arabe, le président a pris part activement aux travaux. Et ce sommet qui était précédé d'un comité ministériel auquel une délégation du Bénin a participé, il a été convenu de redynamiser la coopération entre l'Afrique et le monde arabe. D'ailleurs, le thème de ce sommet est « Ensemble pour la coopération et le développement économique durable ». Ce que le monde arabe voudrait apporter à l'Afrique, c'est cette possibilité de se mettre ensemble, enfin, dans des initiatives concrètes. Vous savez certainement que le Koweït a mis à disposition une enveloppe de 1 milliard de dollars qui doit servir à financer des projets sur la base de ce qu'on appelle « premier venu, premier servi » avec des propositions concrètes. Notre pays présentera donc des fiches de projets si cela n'est pas encore fait, puisque cette possibilité était ouverte déjà depuis plus d'un an. Et le chef de l'État a donné des instructions pour que vérification soit effectuée et que les diligences soient faites pour que nous puissions bénéficier et activement et participer activement à cette dynamique-là. Je dois dire que en Guinée équatoriale, le chef de l'État a vu la transformation que ce pays a connue et il s'est entretenu longuement lors du déjeuner avec son homologue, le président de la Guinée équatoriale. Et au cours de ce déjeuner, ils ont passé en revue les diverses initiatives qui existent entre nos deux pays. Le président Obiang Nguema a écouté avec beaucoup d'intérêt et a marqué son accord, a dit au chef de l'État qu'il souhaite participer à l'un des projets phares qui lui a été présenté. D'une manière générale, je dois dire en conclusion, mesdames, messieurs les journalistes, que le dynamisme, la détermination dont fait preuve le chef de l'État, qui est lui-même le vrai porte-parole de la diplomatie de notre pays, a séduit nos partenaires, les a convaincus. Et je dois confesser ici que plusieurs de ses interlocuteurs, en sortant des audiences, nous ont dit qu'ils feraient leur maximum pour se rendre au Bénin très rapidement, explorer avec nous les voies de coopération nouvelles, explorer avec nous les possibilités d'investissement structurant et rentable que l'on peut mettre en place.